Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec. C'est une vidéo réponse aujourd'hui pour une personne qui me dit: mais enfin, si tu es chez toi en 3 x 230 volts et que tu n'as pas de neutre, mais quelle tension tu as alors entre la phase et le neutre? Bon, ben, entre la phase et le neutre, on ne va pas pouvoir faire la mesure étant donné que je n'ai pas de neutre. Par contre, comme le neutre, c'est comme la Terre, c'est-à-dire un potentiel zéro, eh bien vous allez voir la tension qu'il y a donc entre phase et terre cette fois-ci. Et je réponds en même temps à une personne qui avait dit: oui, c'est pas vrai, du 3 x 230 volts, ça n'existe pas en Belgique, c'est du 3 x 400 volts. Et non, il y a bien du 3 x 400 volts plus neutre comme en France, en Belgique, mais nous avons aussi le réseau 3 x 230 volts, c'est-à-dire que sur la prise monophasée que vous voyez ici, et on devrait même plus dire biphasée, puisqu'en fait, c'est pas phase et neutre, mais c'est bien phase et phase. Phase 1 avec phase 2, ou phase 1 avec phase 3, ou encore phase 2 avec phase 3, vu qu'on a 3 phases. Donc regardez bien la mesure. Je vais d'abord commencer entre ici, donc la première phase, et la Terre. Mon multimètre met 139 volts. Vous voyez? Et pareil, si je mesure sur l'autre phase avec la sonde de mon multimètre, comme ceci. Et voilà. 139 volts aussi, ce qui prouve bien déjà qu'on a bien deux phases au lieu d'une phase et un neutre, parce que si on avait eu une phase et un neutre, eh bien dans ce cas-là j'aurais mesuré 239-240 volts entre phase et terre, et j'aurais mesuré une tension vraiment, allez, je sais pas moi, de 1, 2, 3 volts maximum, ou quelques millivolts entre le neutre et la terre, ce qui n'est pas le cas. Donc on a bien ici un réseau biphasé. Donc voilà pour répondre à la question entre phase et terre, autrement dit entre phase et neutre, c'est la même chose. On a une tension en 230 volts biphasée de 139 volts. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et bien comme ça, vous serez au courant. Ah, j'adore le jeu de mots, au courant pour un électricien. Ok, allez, je vous souhaite un bon début de semaine en tout cas.